Kirikiri, présenté par Thierry Arnaud, qui a du bourg. Il s'appelle Kirikiri et il est né le 14 mai 2020. C'est un fils de Voilà de Nouveau. Il nous vient de Infi dans la Nièvre. Voilà de Nouveau et Arista Sigero par Fado. Voilà de Nouveau, donc vedette pour Guillaume. Gagnant du prix Léon Rambaud à Auteuil, deux gagnants du Pépin Valentin, également sur Rennes, Auteuil. On va marcher, Thierry ? On va marcher maintenant. Il a sali Arista Sigero. C'est bien ça, Arista Sigero qui est également une jument AQPS. Et ce qui est assez étonnant, c'est quand on regarde bien l'origine maternelle, on voit qu'il couche elle-même AQPS, parce que c'est la famille de Vortin, star des AQPS, mais dans le genre de quoi. Elle a été saillée régulièrement. C'est une pure sang, il y a marqué Vortin SF. Bon, c'est une erreur, c'est pas grave. On est bien d'accord, c'est une pure sang, mais elle a été souvent croisée au trot maintenant. Elle a été souvent croisée avec des étalons au trot, la lâche. Elle a été souvent croisée, je disais, avec des étalons à QPS. Avec succès, il y a eu Greffoul notamment qui a gagné 4 courses, donc puis chaque en sort à Auteuil. Greffoul qui était un fils de Yusful. De la monnaie, c'est-à-dire comment fonctionne votre téléphone avant. Dans la famille aussi, on trouve Jean Frick. C'est vieux, hein, c'est Frick. Gagnant du Leopold City, la grande course de haie d'Anguin, l'Istad à l'époque. On va refaire une fois, s'il vous plaît. La boîte, oui. Allez, on refait un tour au trot, Thierry, s'il te plaît. Avec Kirikiri, le numéro 25, qui est né le 14 mai. Non, puis de toute façon, j'ai le 25 matin. La fille de Voilà de Nouveau, la mère par Fado. Pour au moins 3 mois après la fin de tous les traités. Ah oui, 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 c'est ça qui veut dire. Au moins 3 mois après tous les traités.